Bonsoir tout le monde, nous comptons rentrer la caillou dans le cadre 4e sortie téléjournal là, mais quelques points pour le développer. Président Chambre député à Gary Baudot invité Premier ministre nommé à Jean-Henri Seyon vienne faire dépôt pièce li dans chambre basse là avant longtemps pour permettre le processus l'avancer. Équipe secrétariat technique état généraux sectoriel nation a rencontré jeudi 9 août là responsable coordination nationale sécurité alimentaire dans cadre des 4e rencontre li pour semaine là. Plusieurs responsables du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle ont communiqué jeudi 9 août là aurait examen pour session extraordinaire à bac permanent. Élèves à journée a bien pour composer seulement une matière, yo pas de fait moyenne. Représentant plusieurs pays membres organisation État américain OEA en Haïti, chita parlé avec ministre haïtien cap vive l'autre bord de l'eau et puis conseiller municipal ville Brockton là Jean Bradley d'Oren en cours mercredi 8 août là. Dans rencontre ça, différents acteurs discutaient sous organisation civique et intégration membres diaspora en Haïti. Et puis processus inscription pour concours admission dans faculté l'État a bouté 24 août cap vini là. Conseil Université l'État invité candidat yo monter sur site internet université a pour joindre information sur qui jan à qui ça yo doit faire pour inscrire dans yon faculté. C'est point ça avec un pilote nous pour développer après pour ça. De l'autre fois encore, on a salué tout le monde. C'est grand journal là qui rentre la caillou 4e sortie à pour semaine là. Nous prenons les conditions temps avec prévisionniste nous, Wilner Polidor. Merci parce qu'on toujours branché télévision nationale d'Haïti en avec comme en prévision météorologique là et pour aujourd'hui à nous toujours gagner une zone de haute pression qui a influencé conditions météorologiques sous région Caraïbes là et Haïti toujours en bas influence zone de haute pression ça et qui a nous vent avec soleil sous pays d'Haïti a gagné quelques passages nuageux pendant la journée hein, mais température elle a toujours à la hausse sur certains départements jusqu'à 37-36 degrés département centre avec département de l'Ouest, mais vraiment c'est une journée cap très ensoleillée avec vent cap venté. Mais en soirée, gagne une onde tropicale qui supposait traverser Haïti vers le sud et onde ça il y a porteur de quelques averses, mais onde là active mais environnement tellement sec, c'est vraiment région sud là cap gagne possibilité pour gagner quelques gouttes la pluie en soirée ou au cours de nuit là. Département sud-est, Nip, le sud et la Grande, c'est département qui a supposé gagner quelques gouttes la pluie en soirée ou au cours de nuit là par rapport avec onde ça cap traverser Haïti au cours de nuit là et la pluie ça arrive pas gros c'est quelques averses isolées qui capable faible à modérer mais dans l'ensemble sous pays a pour jeudi a c'est on t'a cap beau au cours de journée avec quelques gouttes de la pluie que nous prévoit en soirée ou au cours de nuit là. Capital là toujours en bas beau temps avec vent et puis soleil au cours de journée, quelques passages nuageux en après-midi et en début de soirée, mais c'est mon nacelle nous capable de quelques gouttes de la pluie, c'est vraiment très isolé avec rare avec sous tête monio, mais température aujourd'hui c'est 37 degrés la fait encore sous Port-au-Prince. Il y a l'été 39 aujourd'hui à la descend à 37, mais la fait toujours chaud et conseiller monio pour consommer un peu de l'eau pour éviter déshydratation et surtout pour petit monio avec un grand monage, surtout monde qui perd temps du yo, c'est dire capital là a fait très chaud encore aujourd'hui à. Pour la mer est toujours agitée sous golfe de la Gonave et côte sud pays d'Haïti, côte sud l'a agitée à faute, mais côte nord, par rapport avec zone de haute pression qui a influencé nous vers le nord, vent nord a porté en pile vague la mer pour nous, et c'est vous ça demande de capter mieux précaution parce que vague est très haut, qui a monté jusqu'à 5 à 7 pieds, et pour page astronomique, soyez la couche jeudi à 7h19 et la levée demain matin à 6h31. Minute. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour notre page météo. Bonne journée ou bonne soirée à chacun de vous.
Merci Wilner. Président Chambre députée à Gary Bodo fait connaître sous l'ordre des conférences président yo, bureau Chambre députée a écrit Premier ministre nommé à Jean-Henri Seyan pour mandel vin faire des pièces li. Député Bodo le dit l'attend Premier ministre là puis vite possible parce que gen dossier captain prochain gouvernement tant coup rentrer l'école là ak organisation prochaine élection yo. Nous avons été saisis par le président de la République de la nomination du notaire Jean-Henri Seyan comme premier ministre nommé de la République d'Haïti. Donc à partir de là, et même jour, nous avons reçu la lettre là, lundi, nous avons gagné une conférence des présidents, côté la conférence des présidents, et à partir de menu. Ce maintenant, à partir de ensemble des dispositions qu'on fait des présidents plein, il était instruit bureau et pour nous, tu es capable d'inviter le premier ministre nommé à venir déposer pièce li conformément à la Constitution. Donc, faut dire que force est de constater jusqu'à présent. Et premier ministre nommé a libéré par absence li peut-être nous connaissons un ancien candidat à la présidence il était catégorie pièce déjà mais nous connaissons au niveau du parlement il y a des documents additionnels nous avons besoin au moment et commission qui va le monter pour travailler sous et cas ou bien pièce li et premier ministre nommé a donc peut-être que l'a cherché pour l'ouest il a joint toute pièce li et moi t'ai relé le téléphone pour me demander est-ce qu'il peut prêt pour venir déposer pièce li parce que au niveau de la chambre des députés nous pressons en pile parce que nous avons pile dossier nous avons code pénal code procédure pénale qui c'est deux documents et assez volumineux nous avons pour travailler sur nous connaît et code qui là c'est un code qui là de 1826 donc ensemble de et code ça yo yo fond non seul document qui c'est code pénal là avec code de procédure pénale là chacun qui fait plus que 1400 articles donc et peut-être session était capable assez pour nous voter deux textes ça yo mais nous connaît dans le souci de renforcer l'état de droit pas aucun sacrifice qui est trop grand pour le pays d'Haïti et député dans Uclo dans la conférence des présidents de tout d'accord faut qu'il travaille sur texte ça pour faire sacrifice là donc dans ce sens ça nous pressé nous-mêmes nous t'arriver peut-être épisode ça son épisode qui était qu'à finir semaine ça ou bien semaine prochaine pour nous capable tourner l'autre page pour nous capable réfléchir sur des autres dossiers de préoccupation nationale. Yon l'autre côté, Gary Bodo déclaré, c'est pas yon mal si yon parlementaire propose yon citoyen comme ministre au sinon directeur général, si moun sa qualifié pour job là. Parlementaire a critiqué yon série secteur qui voulait mettre parlement de yon dans le cadre de formation nouveau gouvernement. Député Delma a dit, gen 25 partis politiques qui représentent dans le parlement. Si premier ministre l'an nommé a voulait politique générale li a approuvé, faut que li négocie avec parti sa yon. L'école ou bien c'est premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Nous connaissons trois niveaux de décision au niveau de la Chambre des députés, il y a le bureau, il y a la conférence des présidents, il y a l'Assemblée. Donc dans le cas un premier ministre nommé qui peut déposer pièce dans le Parlement après. Pour nous écrire, il faut ça, qu'on ait bien pour nous gagner CV, toute ministre, 48 heures à l'avance, 48 heures avant de nous faire CS1, nous ne pouvons pas prendre aucune surprise, nous allons voir des ministres là, après, attendez, ils ne vont pas respecter les normes constitutionnelles. Donc, dans le Parlement, dans le cas, ça n'a rien de vote, parce que la Constitution en clair, n'a pas pris pression non mais aucun monde bon l'état plus belle que ce gars il veut donner ton ministre l'état belle c'est un député sénateur qui met ton ministre bon qui ça me balpe là bon qui ça me balpe là nous sommes députés dans mon cas je suis le président pas sous table pour négocier nos positions de neutralité mais qui ça un bloc majoritaire un bloc minoritaire un groupe et capella donc mon y a metté au CAIC ça qui arrivé député ou pas conditionner vote yo pour dire si pour voter gouvernement faut au bail au ministre etc mais ça qui arrivé dans principe et de travail qui gagne, pas oublier un groupe de 48 députés qui t'a supporté Jovenel Moïse, ils ont fait campagne ensemble, donc ça qui est arrivé, président ou bien premier ministre nommé, demander au DCV au bail. Donc si on dit
premier ministre Jean-Ricéen, la ville là, nos gouvernements, la presse dans mon série de secteurs qui ont intérêt la ville là, premier ministre là, tombé déjà. Si on me dit Jean-Ricéen, on fait un gouvernement d'union nationale avec tous les partis politiques représentés au Parlement, ainsi que des hommes et des femmes compétents, crédibles, honnêtes de la société civile, laisse à Jean-Ricéen prendre le premier ministre. Équipe secrétariat technique État généraux sectoriel Nation a rencontré jeudi 9 août là responsable coordination nationale sécurité alimentaire dans cadre des 4e rencontre pour semaine. Rencontre ça a été occasion pour dirigeant CNSA yo parler sous problème Haïti a fait face dans question sécurité alimentaire et nutrition depuis micro Rodney d'Orléans à Hervé Pierre. L'État généraux, c'est nous devons aboutir à un pacte de gouvernabilité, un pacte pour être capable de réformer les institutions et un pacte pour être capable d'atteindre le progrès économique et social. Donc, pour être capable de faire pacte, ça, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons le faire, ce n'est pas membre du comité pilotage, ni secrétaire technique qui va le faire, ce n'est pas président avec l'équipe qui va le faire, c'est le peuple qui va le faire, c'est le peuple qui n'a pas la parole, qui a identifié le problème, qui a pris une solution et qui a pris un engagement. Et c'est dans ce sens ça que tout le monde nous fait, et nous inviter les populations, et nous bâillons experts autour qui travaillent sur des programmes de réforme, nous bâillons la parole. Le problème n'est posé à la fois de quantité, pas de assez manger pour tout le monde jeune dans le pays, un problème de qualité, manger à soit n'est pas bon goût, soit tout simplement n'est pas bien des qualités nutritives qui fait que il est capable de continuer à répondre à besoins alimentaires mondiaux. Donc tout ça fait que nous obliger véritablement faire un coup de guidon pour que nous changer des gringolades à cap fait là, des gringolades de production nationale là. Et en même temps, faut que ça je nous moyen pour nous faire un van manger pépé cap envahi marché national là qui empêcher production par nous écouler dans bonnes conditions. Donc pour tout ça, nous t'ai réuni aujourd'hui là avec experts ça pour dire nous qui ça ouais comme problème, est-ce que nous avons un problème dans le même genre, et puis surtout qui solution est capable de proposer pour que nous transformer ça en politique publique de façon que dans une génération ou dans deux générations problème non, s'il n'est pas au moins s'il pas résout définitivement au moins que nous mettez pays à son rail pour capable réduire pauvreté. Responsable coordination nationale sécurité alimentaire a identifié plusieurs causes problèmes sécurité alimentaire et nutrition dans le pays. Dans le cadre des rencontres avec le secrétariat état généraux sectoriel Nation qui fait jeudi 9 août, la dirigeant CNSA a dit que l'État doit prendre diverses mesures pour permettre Haïti de sortir dans une situation difficile. Ça. Nous constatons que pour résoudre ou attaquer problème sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire et sécurité nutritionnelle, eh bien, il y a des grandes décisions qui pour prendre à différents niveaux. À niveau politique, il y a des grandes décisions qui pour prendre. À niveau opérationnel, il y a des décisions pour prendre. À un niveau institutionnel, pour assurer la gouvernance de questions, il y a des décisions pour prendre. Et gagner des domaines qui transversal à ça. Tant coup, on a parlé de questions de frapper paysan. Eh bien, tout y a un impact sur et aspect souveraineté alimentaire, non? Aspect sécurité alimentaire et nutrition. Mais dans la politique, là, tout un ensemble de mesures. Et c'est à travers mesures que mesures programmes dans la politique. Là, c'est à travers mesures programmes ça. Que nous sommes capables d'aboutir avec le résultat que nous avons. Par exemple, la politique là, dans le contenu, il y a environ 35 mesures et environ 25 programmes qui sont identifiés. Mais nous sommes capables peut-être parler de une ou deux mesures ou bien une ou deux programmes pour permettre de comprendre. Mais une mesure, par exemple, au niveau de l'axe opérationnel, c'est pencher vraiment sur la production locale là. On veut dire c'est pour nous mettre tout mécanisme possible pour nous capable vraiment une production locale assurée côté que
produits que nous avons mangé dans l'assiette, non, soit viande, soit légumes, soit fruits, soit l'autre produit, du riz, maïs, yam, patate, eh bien, nous vraiment, c'est produit local que oui. Toujours dans le cadre des séries de présentation entité UEH là, ensemble avec discipline, yo enseigné, yo équipe télévision Jodia te visité ENS. Heurtelou, Marie Dieudonne avec Moïse Wilbridge dans un reportage. ENS, c'est un établissement enseignant supérieur à recherche en dans UEH là, qui fondé dans l'année 1947. Mission, c'est former bon gens professeurs qui permettent le système éducatif pays à plus bien fonctionner. 250, c'est quantité étudiants à l'école normale supérieure accueillis chaque année pour une transformation dans l'enseignement à recherche. Secrétaire exécutif entité ça, expliqué, ENS, c'est seule l'école normale publique en dans pays à qui forme enseignants. Plus loin, secrétaire exécutif là, identifié différents départements qui dans ENS là. Nous avons au moins deux disciplines enseignées dans le secondaire. Mathématiques, physique, chimie, biologie, histoire, géographie, lettres modernes, langue vivante. Bon, mais c'est réduit avec anglais et espagnol. Bon, c'est ça. Tout ça, nous enseignons. Bon, de jour en jour, que chaque jour, et sous. On nous a dit que sur 3000 ou 4000 postulants, chaque année, nous sommes obligés de passer 250. Au maximum, nous prenons, nous prenons. Secrétaire exécutif ENS là fait qu'on est formation ces âmes qui plus puissants qui permettent nous changer système éducatif pays. D'après lui, tout professeur qui a enseigné dans diverses écoles classiques doit une bonne formation. Dans le même contexte, ça, il fait qu'on est l'école normale formée professeur qui pour bâtir mon bon genre enseignement et puis pour tes contributions dans le développement pays. L'important de l'école normale, c'est que c'est lui formé enseignant pour matière que enseigner dans le secondaire. Et que je formé, je comprends, parce que c'est aussi une qualité, capacité, tout pour enseigner matière. Bon, malheureusement, il faut l'école. C'est pas enseignant ça au gain. Et puis, et en pile là-dedans, il parle là-dedans. Mais c'est lui qui enseigne, puis au niveau mathématique, philosophie, physique, chimie. Et c'est lui qui permet que vous développez. Bah, ça, que l'intérêt, c'est qu'on y a pour nous sortir dans le niveau licencié, pour aller dans le niveau master, pour arriver dans le niveau philosophie. Et donc, bon, c'est seul côté, c'est philosophie, tout. Et donc, lettres modernes, tout. Lettres modernes, c'est pas seul côté, peut-être, mais c'est lui conseiller toute matière, ça. Yon ti moun qui passe philo, qui t'a désiré intégrer ENS, doit préparer la matière de base, tant que sciences sociales, géographie, mathématiques, langue vivante, chimie, physique. N'a pas rappelé concours admission ENS là, fixé pour 30 septembre qu'a venu là. Directeur Bureau National Examen l'État, Renan Michel, communiqué jeudi 9 août là, aurait examen pour session extraordinaire avec bac permanent, yo. Bref, ça, yo, a commencé lundi 13 et pour finir vendredi 17 août. D'après précision, Renan Michel qui rappelait, élèves à journée, yo, a seulement composé la matière, yo, pas de passé. N'a pas vite suivi précision, Renan Michel, dans le micro Stéphanie Charles, à Hervé Pierre. Donc, c'est 100 personnes seulement qui a journé. Donc, l'autre personne, puisque vous ne pas répondre à l'homme, vous ne pas répondre à critère, eh bien, vous ne pas n'a demandé pour prendre des précautions et que si vous ne pas respecter l'homme, vous ne pas respecter les critères, eh bien, vous ne pas participer à l'examen d'État. C'est ainsi que l'examen, normalement, a commencé lundi, comme que j'ai dit. Jeudi, pour finir, on va voir. Et le processus là, on va commencer le bureau central très tôt. Et bien, pour démarrer le possible au niveau des directions de battement. Et bien, pour que ce cas, ça
extraordinaire là, eh bien, il est capable de sortir très tôt. Donc, après, c'est mathématiques anglais, et vendredi, c'est physique pour élève pilote. Donc, nous rappelons que l'élève pilote, c'est la matière à rien sur la dame. Liste de présence là, et bien, parce que si l'élève a gardé, qui dans celle-là qui est là-dedans pour qui reprise que le gagne. Directeur département.
plusieurs pays dans l'organisation État américain OEA en Haïti avec le ministre haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau qui chute à parler mercredi 8 août là avec le conseiller municipal ville Brockton Jean Bradley de Renoncourt. Dans la rencontre, ça, différents acteurs ont discuté sur l'organisation civique et l'intégration membres diaspora en Haïti. Roosevelt Desrosiers et Gérard Lescoufler ont préparé un extrait. Je dis à cette en prise de contact avec le conseiller municipal de la ville de Brockton dans l'état de Massachusetts. Et donc, M. Bradley, c'est un jeune élu qui a 28 ans d'âge, qui quitte Haïti après tremblement de terre là, et qui vient en citoyen américain en 2016 et en décembre 2017. Il vient ont élu la zone. Et je pense que c'est une grande victoire. Et c'est peut-être ça que je dis à nous te faire rencontre ça. Côté et organisation État américain OEA, te fait invitation à et conseil municipal là, avec moi-même en tant que ministre diaspora, pour nous parler de engagement civique et intégration diaspora dans le pays d'Haïti. Diplomatique qui était là parmi lesquels ambassade américaine côté nous a dit que nos pays sont passés de moments difficiles le 6 et 7 juillet et je pense que la présence et conseil municipal l'avait dit en pile parce que travel warning là était sous 4 pour aller descendre à 3 4 veut dire qu'on pas qu'à voyager en Haïti 3 veut dire recommander pour et reconsidérer voyage en Haïti et je dis avec conseiller municipal haïtien d'origine là il vient montrer que pays a normal il fonctionnait des côté maman sorti la gonave nous allé dernièrement des Cameroun te gain 400 chambres d'hôtel qui étaient remplies à Kaké qui veut dire diaspora encore une fois c'est eux même qui toujours là en premier une et partenariat que nous va le faire premièrement j'aimerais dire moi considérer conseiller municipal là comme ambassadeur et pour nous qui veut dire que le zone en Haïti c'est pas caoutchouc cap boulé ou bien pays à cap casé c'est comme un leader qui vient porter un message positif qui pour montrer que il y a une stabilité dans le pays. Hein? Conseiller municipal, ville Brockton, Jean Bradley de Renoncourt, fait qu'on a été important durant la rencontre ça pour discuter sur éducation et sécurité publique dans le pays. Conseiller municipal l'a plaidé pour un climat et stabilité politique et sociale en Haïti. Ça va permettre aux jeunes rete vivre la caillou. Il y a un extrait. Qui ça, mais compte ça, vous pour le pays d'Haïti, avant tout Abdou, comme vous êtes là, nous parler d'éducation, comment nous-mêmes nous avons travaillé en collaboration d'une manière générale pour nous éprouver le système éducatif. De l'Haïti, nous même d'où, à présent, nous avons un chancelier qui est censé président de la faculté à Boston, qui est censé à présent qui a fait des recherches, comment nous sommes capables de créer un moyen pour approuver, pourquoi pas améliorer le système éducatif dans le pays d'Haïti. En fonction de la droit de la jeunesse, engagement, l'intégration, mon nouveau sécurité publique, ce sont des bagages qui sont très importants. Mais avant tout, comme nous avons ministre diaspora à tout côté, nous voilà, ça nous capable d'où c'est que nous avons un bel pays, nous n'avons pas de bagaille tête chargée et Valdo pendant des années, le Brésil devine là, nous sommes obligés à se nommer parce que à présent, quelle que soit l'équipe qui soit dans le monde, depuis le vin en Haïti, nous avons un côté pour nous recevoir. Qu'est-ce que nous sommes capables de nous décamer, nous faire des expériences parce que à présent, nous avons un pays à bon à 100%, mais comme vous avez dit, vous avez représentant ambassadrice pays d'Haïti, vous avez dit, nous ne pouvons pas mettre un avocat sur le pays d'Haïti parce que ça vient un problème. Parce que dans le moment, nous avons des Haïtiens conséquents, non seulement dans le pays, mais pourquoi pas au-delà du pays, comment nous sommes capables d'encourager, non seulement pour venir faire vacances la caillou, mais pour connaître tout, là, venir faire vacances la caillou, ils ont en sécurité. Parce que, quel on veut ou non, on dit ça, Port-au-Prince, pas Haïti. Sauf qu'il y a des bagailles qui sont passées dans Port-au-Prince, mais ça ne signifie que la Gonave, la Danie, Tigouave, la Danie, au Cap la dernière, ce comment nous même étant qui représentant et pas oublier j'aimerais dire dans nos cours représenter un endroit les États-Unis même si haïtien avant tout ce ça me capable de c'est que je dis c'est un honneur étant que premier garçon haïtien qui compose électif dans l'état côté ma vivre là which is Massachusetts pour nous venir dans pays nous dans pays maman nous dans pays papa nous pour nous apprécier des sujets qui gravent ensemble avec la jeunesse. Parti politique Tête Ensemble pour sauvetage haïtien a relancé dans date 14 août Cap Vinila dans Pétionville d'après coordonnateur national parti politique ça Odenfis Bernadel. Coordonnateur parti a expliqué relancement ça réalisé dans l'idée pour porter changement dans façon politique cap fait dans pays. Rodney Dorléan Kervé Pierre pour un extrait.
Oui, le parti a existé déjà, si bien que c'est nous qui avons voté Siméus comme candidat à la présidence en 2005-2006, rappelons. Nous avons participé en 2010 à l'élection, tout. Mais moi-même, personnellement, j'ai anti-gens relâché depuis l'année 2010. Je connais que le parti a brûlé ses têtes. Et depuis lors, Dr. Gérard Blanc, un bon gentleman et un bon démocrate, tout, jugé bon pour nous, passer la partie. Hein. Donc, comme nous, nous avons fait une réunion. Que c'est mon sorti comme coordonnateur national et un nouveau staff tout cap du vieux parti a ça motivé nous après mieux réflexion et analyse politique a très mal fait dans le pays là très mal fait côté que Dagadou grand pile parti politique qui négole en tête yo parti politique a levé une chaîne de boutique alors que nous dit non politique la politique est une chose bien trop sérieuse pour l'être laissée dans les mains des détracteurs en général. C'est ça qui fait nous dire que nous-mêmes partis ensemble, nous voulons faire politique autrement. C'est ça qui fait comme si on a relancé parti en grande pompe, mardi 14 août là, et nous ouvrit parti à tout le monde qui devient la donne. Parce que l'idéologie, nous, sont idéologie centriste, on n'est ni de gauche ni de droite, on est au centre. Pour que ça, on est au centre. On regarde dans le logo parti à voir que il y a trois mains. Deux mains noires et puis on met mulâtre. Pour que ça. Parce que lorsque nous prenons l'indépendance, pour nous prendre l'indépendance, non, t'es des Alines, t'es un Pétion, t'es un autre nègre. Et pourquoi pas qu'on ait pour ne pas contrat avec eux. Il faut un contrat avec eux. Donc c'est ça qui fait que partir les têtes ensemble sur la réalité. Vous avez des spectateurs, le temps pour nous prendre l'autre pause à déplacer. Bien, M. Camille Leblanc qui salue le choix président République là, Jovenel Moïse qui nomme M. Jean-Henri Seyan pour venir nouveau premier ministre pays. D'après avocat, M. Seyan a une capacité pour le mener pays dans bon chemin. Pendant le souhaité, nouveau chef gouvernement choisi, moun qui a une capacité et envie pour servir Haïti. Yon extrait. Ou pas qu'à son gouvernement après échec là, son gouvernement uniquement de partisans, il faut. Ça a été pour tout le monde l'élément déterminant. Chercher une personnalité qui est capable, l'en mi-temps, et rassembler tout le monde. Maintenant, rassembler tout le monde, non, ça veut dire que à chercher les ressources disponibles de ce pays, les ressources techniques, et pour que le président de la République lui-même, les gains et élu, soit en. Sous en vision, il était des bons projets, fait nouvelle équipe ça avec beaucoup d'audace, beaucoup de perspicacité, à adapter et proposition président vision et grandes lignes de Bali à tant de population actualiser pour le bail des réponses pour permettre que nous recréer confiance dans le dirigeant pays. Donc voici plus ou moins la démarche qui a été la contrainte du président, trouver une personnalité qui n'est pas sortie dans le camp forcément, mais au monde que lui a parlé avec lui, qui a parlé avec tout le monde pour nous-mêmes. Et les consultations qui étaient faites, d'après ça, arrivé à comprendre, permettent que vous indiquiez M. Jean-Haïtien comme étant personnalité ça. Maintenant, bien évidemment, et dans le pays d'Haïti, pas jamais aucun monde qui fait l'unanimité, quelle que soit la situation, pour qu'il y ait des gens qui ont des opinions et contraires. Mais la grande majorité des gens qui consultaient étaient conscients. Donc, Jean-Henri Seyan a parlé à tout le monde, toute classe sociale, et lui-même est capable à le créer pour ça. Parce que pour mon pays, c'est comme si vous avez un pont levé, l'élevé, un paquet de monde coupé, l'une par et rencontrer l'autre, ou tu as besoin au monde qui a jeté ton pont, côté capable de réunir tout le monde. Donc, moi-même, je pense que oui, Jean-Henri Seyan, c'est une personnalité sale, capable d'aller chercher tout le monde pour le parler à tout le monde, pour le rassembler tout le monde. Maintenant, question 1, où gagne le président de la République a fait son travail, il choisit un premier ministre, maintenant il appartient au Parlement.
Administration communale Tabar organisé jeudi 9 août là dans le local Meria une audience publique à consultation avec acteurs société civile Tabar sur quelques sujets tant que budget municipal, potentialité commune là, thème économique, présentation projet prioritaire avec perspective Meria pour année fiscale 2018-2019 là. N'absurde. Nous avons un aménagement dans la commérie que nous voulons faire. Nous avons la commérie, tout le monde vient, nous avons poussé à la boue. Je pense que si nous avons ramassé le corps, nous avons fait le développement pour qu'il faut que nous commencions sur la caille. La mairie, les mérites faites, malheureusement, nous n'avons pas fait projection de ça. Nous avons que tout l'architecte est préparé pour nous, qui est très belle. Et nous voulons rendre la mairie, la commérie, la mairie en table. Il y a 40 ans, même si on est dans l'entrée, il y a le risque de faire n'importe quoi, et nous même nous avons fait. Et nous avons une belle cité, et qui est encore plus grande que ça que nous avons dans l'entrée. Parce que nous voulons mettre une piscine municipale dans la cour, pour que les gens soient capables d'apprendre à nager, si les gens sont capables d'apprendre à nager dans la commérie. C'est ça que la municipalité, c'est le rôle, non? C'est ça que nous-mêmes nous voulons faire. Et nous voulons mettre un parc d'attraction pour les gens. En Damérien. Pour ça, le dimanche, au lieu de nous monter à l'autre côté, puis si on vient de l'autre côté, on va venir en Damérien, la moins coûteux, et là, la sécuriser pour tout le monde capable de jouer pour le compte municipal à travers un Damérien, pour tout le monde capable de jouer. Nous gagnons un déploiement de brigade que l'on voulait faire. Nous parlons de ça depuis un budget. Capable d'être sur tout territoire. Maïsra Baye. Toi, Chavez Femme. L'exercice fiscal 18-19. Est-ce que c'est une priorité pour vous, ce gain pour ajouter? Et c'est comme ça pour nous commencer à gérer le pays à la base, côté que nous définissons les problèmes qui gagnent et pour nous remonter, on prend un cas spécifique des plans. Drainage du côté de Tabar, drainage là, il coûtait plus que 200 millions de dollars américains, hors budget à 1 million de dollars américains. Donc vous comprenez, il faut aller frapper porte dans le budget national là, pour être capable de résoudre le problème ça. D'où, bon, sont supposés gagner tout entre maire là avec député hein, pour le défendre comme dans le budget national là. Et également lorsque la pluie tombe, c'est pas Tabar que dégâts en fait, non, c'est un aval lié, c'est bassin versé quoi bon là, et du côté de en amont. Donc en ce sens qu'on y a là, faut que magistrat Tabar la chita que magistrat Pétionville là avec magistrat Del Mario pour entendre pour bien inter parce que c'est naturel, c'est toute commune que vous représentez. Donc voilà, nous sommes capables de dire ça, exercice à tes jours. Je suis très content pour me déporter pour le même là-dedans, pour me expliquer. Mais comme vous êtes à bord dans le budget national, le fin de budget local, il faut regarder côté de au niveau national, pour le budget national, là, et également avec les bailleurs de fonds, car aujourd'hui, la décentralisation fondamentale et l'administration publique locale là, sont éléments fondamentaux de l'île. Processus inscription pour concours admission dans la faculté l'État a bouté 24 août cap vini là. Tout le monde qui gagne difficulté pendant qu'il est inscrit dans une faculté qui a monté sur le site inscription en ligne là, et en ligne Université d'État d'Haïti qui c'est admission.u.e.h.edu.ht/inscription pour joindre information. Sous qui Jean a qui ça doit faire pour inscrire dans yon faculté. Pierre Michelet, Jean-Claude, qui est consultant dans UEH, là, a porté plus de détails dans le micro TNH. Gagné deux procédures d'inscription sur site d'inscription en ligne universitaire. Une procédure pour nouveaux postulants. Ça veut dire que les gens qui font le baccalauréat qui ont inscrit pour la première fois, ou tout simplement les gens qui ont inscrit dans l'université pour la première fois. Lors de ce site universitaire, on va créer un compte. Et après, on va remplir le formulaire d'inscription pour être capable de choisir la faculté qui est intéressée. Ça, c'est pour les gens qui sont nouveaux. Mais les gens qui étaient là déjà, ça veut dire qu'ils étaient inscrits à dépasser, en 2017, n'ont pas besoin de créer un nouveau compte, n'ont pas besoin de remplir un nouveau formulaire. Parce que toute information était bail à dépasser. Il y a tant ce système déjà. Donc, ce que ça pour faire, c'est connecter à compte où tu as gagné l'année dernière.
entre Imelou et mot de passe côté gagné année passée. Bon, naturellement, il y a un pile postulant qui n'a pas gagné information ça ou encore, parce que un pile là-dedans, c'était inscrit dans préfa, qui était inscrit, c'est des gens qui étaient inscrits, donc il n'y a pas gagné information ça ou, donc il n'y a pas gagné moyen pour accéder à compte qui était gagné. Donc, dans le cas ça, qui ça pour faire? Si vous pas songer email ou pas songer mot de passe, vous reconnecter à compte côté gagné, créez un compte, créez un nouveau compte, mais pas rempli formulaire d'inscription, parce que formulaire est dans là, ou information ça est dans là déjà. Donc, tout de suite après, fin créer un compte là, c'est écrit rectorat dans l'email que je vais là. L'email là, c'est admission@uh.edu.ht. Et vous voyez, qui soit dit dans le message, ça qu'on voit, vous voyez nom, prénom, NIFU, avec email actuel qu'on va utiliser. Pas oublier numéro contenant. Nom contenant, c'est UEH demande d'admission. Numéro contenant, c'est 70 60 54 55 8. Dans ce GBank. Et puis, l'offre de payer, il faut une inscription. Allez déposer pièce sur la faculté. Mais quel point de développer avant nous aller, président Chambre député à Gary Bodo, invité Premier ministre nommé à Jean-Henri Seyan, vient faire des pièces li dans Chambre basse avant longtemps pour permettre le processus là avancer. Équipe secrétariat technique état généraux sectoriel nation a rencontré jeudi 9 août là responsable coordination nationale sécurité alimentaire dans cadre des 4e rencontre li pour semaine là. Plusieurs responsables dans ministère éducation nationale la formation professionnelle communiqué jeudi 9 août là aurait examen pour session extraordinaire à bac et permanent yo élèves à journée yo a gagner pour composer seulement dans matière il n'y a pas de fait moyenne. Représentant plusieurs pays membres organisation État américain OEA en Haïti, Chita Palé ak ministre haïtien Cap Vive l'autre bord de l'Oyo et puis conseiller municipal Ville Brockton Jean Bradley de Renoncourt mercredi 8 août là dans rencontre ça différents acteurs ont discuté sur organisation civile et intégration membres diaspora dans le pays. Et puis processus inscription pour concours administration admission dans la faculté l'État a bouté 24 d'août et Cap Vinila. Conseil UEH l'a invité candidat à monter sur site internet université a pour joindre information sur qui gens à qui ça doit faire pour inscrire dans une faculté. Merci à vous-même qui t'a prêté nos attention pendant tout téléjournal là. Merci avec toute équipe là qui t'a rendu possible. Nous souhaitons passer une bonne soirée en compagnie Télévision Nationale d'Haïti, chaîne 8.